Mais je crois que vous avez jamais vu une Lamborghini faire ça. Waouh, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi le sable dans les freins et dans les jantes. Et la voiture chauffe. Franchement, c'est assez bluffant de faire ça en Lamborghini sur du sable. Ah, je peux vous dire que la voiture, elle souffre quand même. Alors les pneus, nickel. Et on entend un petit peu les grains de sable dans les étriers. Ça doit grincer un peu. Alors au niveau entretien, je pense que les mécanos, ils vont s'arracher les cheveux. Hein. Mais bon. On a pris du plaisir. Regardez-moi cette arrière très ramassée, très condensée, ça vraiment très sport. Vous avez 4 sorties d'échappement, juste incroyable. Le bruit que ça fait quand on démarre le moteur, c'est magnifique, c'est super beau. On va essayer de faire le tour un petit peu, mais il est très ramassé. Alors là, ici, il n'est pas en position Corsa. Hein. Corsa, les suspensions se baissent un peu plus. En avant, toujours aussi élevé, avec des renforts. Sous, vous avez des renforts un peu partout pour justement renforcer la carrosserie, le châssis, pour éviter qu'un rocher vienne cogner le moteur ou tous les organes qui sont autour. Regardez un petit peu aussi, une petite spécification. Quand vous roulez dans le sable, vous baissez la pression des pneus pour augmenter l'adhérence sur les pneus. Ici, on est sur du Pirelli Scorpion Zero. C'est beaucoup plus adapté pour le off-road. Et donc du coup, vous avez ici un super SUV qui permet justement de faire des figures assez extraordinaires. Ah, vous avez un coffre, un volume de coffre qui doit faire à peu près 500 litres de chargement, ce qui permet de caser Mr. Halim. Très pratique quand tu vas à la plage. Hey baby. Welcome aboard in Lamborghini Urus. Et regardez-moi ça, le siège juste. Ici vous avez, voilà, en cas où vous ne savez pas, vous avez écrit Lamborghini chromé, vous avez un peu de, voilà, la finition c'est extraordinaire, hein. Franchement on est sur des mélanges de matières entre carbone, cuir, alu brossé, et voilà toute la technologie Audi qui est à l'intérieur de ce Lamborghini, avec un setting, un paramétrage exprès pour la marque italienne, le taureau italien. Et là ici vous avez, voilà, un intérieur, je sais pas, j'ai pas les mots, mais honnêtement ça frise la perfection. Honnêtement, franchement, vous avez un volant à méplat qui est, voilà, vous le tenez bien en main, la jante est bien épaisse. Vous avez ici les petits indicateurs si vous voulez faire du circuit, bah ça peut aider. Puis vous avez un écran entièrement digital avec le virtual cockpit. Alors hop, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Voilà, bon, vous avez vu tout ça. Ça, c'est un petit peu les éléments qui sont repris chez le cousin Audi Q7. Ici, vous avez les clés, vous les avez vues. Vous avez le start engine. Ça, j'aime bien. C'est un petit gadget. J'ai l'impression que vous êtes dans un avion. Vous soulevez le petit clapet, le petit OK, et hop, vous appuyez sur start engine. Et la position préférée, c'est Corsa. Corsa est là tout de suite. Vous rentrez dans un autre monde. Et aux places arrière, vous avez ici deux places, une configuration de deux places. Mais avouez que c'est quand même joli, vraiment, voilà, vous avez des sièges individuels. Alors moi je suis pas très fan, hein, de la couleur du cuir, mais bon, avouez que ça frise quand même le luxe, c'est très très beau. Vous avez une Sono BO, connue, et là vraiment les finitions sont très très belles. Alors là il y a un peu de sable partout, vous allez me tuer. Vous avez du carbone aussi à l'arrière, et puis voilà, vous avez un intérieur assez luxueux, sportif. À noter la petite trappe à ski, hop, ici, c'est très beau. Voilà, l'accéder au coffre, c'est là. Ok, on a tout démonté. Non, sinon, vous avez un joli toit ouvrant panoramique avec un ciel de toit du plus bel effet en Alcantara. Et là, vous avez l'habitacle
le poste de pilotage dans ce SUV, le premier SUV Lamborghini. Alors en vrai, c'est pas le premier, c'est le second, puisqu'il y a eu une première version dans les années 80-90. Et ici, vous êtes sur un environnement entre luxe et sportivité. Est-ce que vous avez vu cette gueule, on peut pas l'appeler autrement, il est très massif. Hein. C'est la supercar des SUV, hein, c'est l'Urus. Voilà, et que dire de plus, avec des lignes très acérées, très affûtées. On a un pavillon de toit qui descend comme un coupé. C'est un mélange de tout, on n'a jamais vu ça dans le paysage automobile. En blanc, il ressort énormément sur le sable. Et là, vous avez vu cette calandre avant, énorme, massive. C'est très beau, même la découpe de la carrosserie est vraiment bien faite et agressive. Bon, les jantes, le 21 pouces. Sachez que même en option, vous pouvez avoir du 23 pouces. C'est pas les plus grosses jantes. Regardez un petit peu la coupe. On dirait, ouais, c'est un vrai coupé. Très très beau, très audacieux. C'est même très audacieux de le présenter ici sur la plage de Nazaré. Et vous avez un peu des renforts un peu partout, hein, justement, si vous voulez faire du off-road, c'est pour éviter d'abîmer un petit peu la carrosserie. Plan d'attaque sur l'avant et l'arrière, beaucoup plus prononcé qu'un autre 4x4 normal. Ici, il est fait aussi pour faire du franchissement, ou du moins, essayer de faire du franchissement, parce que, clairement, c'est pas un vrai franchisseur. Mais par contre, on peut vraiment faire du 4x4, ça, on l'a vu ce matin. Les amis, est-ce que vous vous attendiez à voir un Lamborghini Urus sur la plage, comme ça, en plein drift? C'est assez impressionnant. Incroyable, vraiment. Alors ici, on est sur les plages de Nazaré, ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'espèce de fort qui surplombe un petit peu toute la baie. Et là, vous pouvez voir, imaginez des grosses vagues de 30 voire 40 mètres. Lamborghini vient de me surprendre, pourquoi? Parce qu'en fait ils viennent de privatiser la plage, ils ont mis des policiers un peu partout à droite à gauche pour faire une course sur le sable en Lamborghini Urus. I gotta try them. I don't believe it. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu, j'espère que vous avez vécu
de nombreuses sensations aussi à bord de cette URU. J'espère que si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit pouce, surtout les commentaires, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos. Ciao les amis.